Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Romano tout seul pour une vidéo qui concerne la fin du monde. Et vous le savez, le moment où cette vidéo sera mise en ligne, ce sera le jour de la fin du monde. Et pour, en gros, fêter cet événement, enfin si on peut appeler ça fêter évidemment, nous allons jouer à un jeu qui s'appelle SOS The Final Escape, donc qui est un jeu un peu où il va y avoir plein de catastrophes naturelles. Il va falloir survivre dans ces catastrophes. Je vais faire le tour du propriétaire, donc SOS The Final Escape. Ah, bah, ok. Non, non, merci, ça ce sera pour la nouvelle partie à mon avis. Il y a un truc qui se lance tout seul. Bien sûr, c'est une vidéo découverte, hein, je l'ai pas dit, mais en tout cas, on va jouer à ce jeu. Et donc ce jeu est un jeu d'aventure, survie, développé par pardon, excusez-moi, c'est Big Ben Interactive, développé par IRAM, sorti le 22 novembre 2002, et c'est pour tout public, même si je pense pas qu'un gamin de 7 ans arrivera à jouer à ce genre de jeu quand même. Enfin, bref, on peut être étonné de tout, de toute façon. Et bien sûr, c'est un jeu PS2. Donc, merci la puce de m'avoir dit, parce que j'ai complètement zappé de dire la console, ce qui est totalement bête. Et je voudrais à l'avance dédicacer cette vidéo à Good Bad Jeu. Je suis pas sûr qu'il la regardera, mais en tout cas, je dédicace ce jeu, cette vidéo, je dédicace parce que c'est un de ses jeux préférés. Et tu vas voir à quel point je joue bien à des jeux comme ça, hein, Goody. Allez, petite nouvelle partie. On va se mettre en normal. Je suis fou. June 2005. Sunny. I see Stiver Island outside my window. I'm a newspaper reporter assigned here. Today is my first day. I'm looking forward to my new life here. But the train from Airport Island never got me to Capital City. Donc c'est un reporter comme dans tous les jeux de catastrophe ou de... Toujours des reporters quelque part. Hein. C'est calme, pas de son. Here is a disaster report update. A massive earthquake has struck Capital City just after noon yesterday. The magnitude of the earthquake has not been confirmed, but Capital City has suffered extensive damage. Up to 2,000 people are missing or dead. The epicenter of the quake was Capital City itself. Strong aftershocks continue to hit Capital City, making rescue attempts very dangerous. J'aime bien l'ambiance pour l'instant, c'est con, mais on n'a pas vu grand chose, mais j'aime bien l'ambiance du jeu. J'espère que la séquence d'intro sera pas trop longue. C'est moi, les secondes, elles passent très vite. Ah ouais, d'accord. Ça fait bizarre de voir des jeux PS2 après avoir joué à des jeux PC, PS3, tout ça. Ouais. Bon, bah j'imagine qu'on va commencer. Ok. Donc, bon.
Ouh là 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 là. Je suis déjà stressé par le jeu là. Pourquoi n'y a-t-il personne? Peut-être parce qu'il y a eu un... Ah, rond pour courir. Ouh là là. Ah, on a trouvé. C'est triangle. Non, triangle c'est pour regarder. Carré c'est pour le menu. C'est pour se baisser. Ça c'est pour crier. Ok. Bon, on peut se diriger avec au choix avec n'importe quel soit le joystick soit les touches analogiques, donc ça change pas. Alors pour l'instant j'aimerais bien être à la place de ceux qui montent dans l'hélicoptère, mais si ça se trouve ils vont se planter juste derrière, donc faire pas trop parler, on parlait trop vite en tout cas. Ouh, de justesse. C'est vrai que graphiquement, j'ai pas à dire, c'est pas un des jeux les plus beaux de PS2. Mais c'est pas le plus important dans un jeu, donc on va pas trop parler de ça. Trousse de soins. J'ai la manette qui vibre en même temps aussi, c'est vraiment pas mal. C'est pour des jeux comme ça que c'est intéressant d'avoir de la vibration, tout ça. Par contre, là, on peut pas boucher la caméra. Ah, si, si, j'ai trouvé. Ça, c'est pour centrer la caméra. Ok. Ok. Ouh là là. Ouh. Alors comment on fait ici? Ah, on peut aller plus vite. Ok. Putain, c'est chaud, c'est stressant. Hein. C'est super stressant comme jeu. Contre la caméra est pas très bien gérée. Ça se voit que c'est un jeu typique japonais parce que. Enfin, je peux pas dire ça comme ça, mais. C'est pas négatif ce que je dis. Hein. Et des jeux un peu. J'ai envie de dire bas budget. Je sais pas si cela c'était le cas, mais. L'ambiance elle est là, hein. Il faut pas trop se dé... Enfin, voilà le mec, il... c'est pas un surhomme. Hein. On va courir. Ah oui, quand même. Game over direct. Je sais même pas ce qui s'est passé. On va continuer bien sûr. On va voir où ça nous amène et continuer. Ben, ok. Peut-être se baisser au moment où ça tombe. Ok, il fallait juste ne pas trop aller vite. Ah là, vite, on prend les escaliers. Ouh, ça c'est du script à l'Uncharted. Enfin, c'est l'inverse plutôt, mais là, ça ressemble beaucoup à une Uncharted du fait de prendre l'échelle au dernier moment, ça casse comme par hasard. Alors ça, je l'avais lu dans un test qu'il fallait boire pour survivre. Le mec, il... ça tout doit être potable. Que veux-tu faire? Déjà, on va boire pour commencer. Est-ce qu'on peut remplir quelque chose ou... Bouteille nécessaire. Ok. Ah bah je vais faire une sauvegarde au passage.
D'ailleurs, Goodbye jeu, si tu, je vais essayer, c'est obligé à regarder cette vidéo. Si tu veux faire un walkthrough de ce jeu, n'hésite pas, franchement je regarderai parce que je pense pas le faire, je suis pas fan de ce genre de jeu. Mais comme c'est des jeux, des genres de jeux assez rares, franchement si tu pouvais faire un walkthrough, je serais le premier à le regarder. Donc c'est sûr que si on aime les jeux avec de l'action, c'est pas trop cela auquel il faut jouer. Hein. Allez, voilà, ici. Ok, alors là, je sais pas tout ce qu'il faut faire. En tout cas, on est passé de l'autre côté. C'était pas sur une voiture qu'il y a eu... Ah si, c'est ça. C'est sur ça. Ok. Ah, la voiture, elle va tomber au moment. Oh, purée! Ouh. Note secouriste. Note écrite par un membre de l'équipe de secours. Ça semble avoir été écrit à la hâte. FAQ vers le nord, nous travaillons toujours dans cette zone. Il est trop dangereux de rester sur le pont, faites vite. Le propriétaire du restaurant d'à côté a donné la permission d'utiliser son restaurant si nécessaire. Prenez ce qui peut vous être utile, la clé se trouve dans le pot de plantes. Bonne chance, équipe de cours numéro 4 Marines. Au nord, ok. Compte par où il faut passer. C'est pas là. Ah ok. Ok. Allez. C'est sûr que le pont, hein, après tout ce qui se passait. Oui, ah il saute tout seul, comme dans un Zelda. Quand on arrive près d'un rebord, il saute. Ok. Sur le coup, j'ai un peu peur. J'avais compris ça, mais j'avais pas vu qu'il allait sauter direct. Le pot est renversé. La clé est introuvable. C'est moi ou ça va s'écrouler Ça doit être là. Ça doit être celle-là. Il y a une clé sous le pot. Nickel. Restaurant. Prendre d'objets. Faut savoir que ce jeu, quand je l'ai acheté, je crois que j'ai dû l'avoir à. Je crois que je l'ai eu à 10 € à 5 €, je sais plus. Et j'ai déjà vu plusieurs fois, donc il doit pas être trop difficile à trouver finalement. Enfin, moi à l'époque, non, si ça se trouve, il est un peu plus difficile, mais. Fermé pour cause de tremblement de terre. Blablabla. Donc, à mon avis, il va falloir aller nous-mêmes utiliser nous-mêmes le porte-clés sur le restaurant. Ouais. Tu as utilisé la clé du restaurant. C'est pas très réaliste, ça, monsieur. Lui faire faire un mouvement. Et voilà, ça va casser autour de lui. Comme par hasard, ça se voyait pas du tout. Comme le nez au milieu d'une figure, mais alors pas du tout. Moi, j'imagine que là, on va trouver des bouteilles. Bon, c'est pour faire sensation, ça. Alors. Oh là 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 là, l'enfoiré de... Oh, le jeu. Heureusement que c'est du script, ça. Sinon... Ah, merde. Oui, c'est qu'on tombe en plus. Là, par contre, je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Ok, à mon avis, il va falloir sauter. Ah, il a pas sauté. Il saute pas tout seul, ça dépend si c'est fait pour ou pas. Ok, donc je sais pas du tout ce qu'il faut faire, c'est pas mal ça. Ah! C'est quoi ça? Un briquet. Prendre en main, prendre l'objet. Déjà, on va le prendre.
Ok, on peut rien faire. Ah, nouvelle salle. Qu'est-ce qu'on a ici? Cette eau doit être potable. Veux-tu en boire? Boire. Alors, je pense que le truc de boisson, enfin, de la barre de soif, je pense que c'est selon les événements. S'il y a beaucoup d'événements qui se passent, il doit avoir plus ou moins soif. Aussi, le fait donc de courir, ça doit aussi prendre en compte son envie de boire. Ah, une bouteille. Now for an updated earthquake damage report. The earthquake that rocked Stiver Island just past noon yesterday is still creating aftershocks around the area. All routes in and out of the island have been cut off, and many citizens are still trapped in or around Capital City. Rescue operations began in the southwestern region where flooding was the most severe. Thankfully, it seems that the operations are going smoothly without major incident. As more news comes in, we will keep you updated. Up next, our special report, video games and violence. Oh putain, j'y crois pas. Reportage, les jeux vidéo et la violence. Non, mais c'est pas fait exprès avec le podcast qu'on a mis dernièrement. Donc sur la violence dans les jeux vidéo, ben c'est magnifique quoi. Ok, on a donc des bouteilles qu'on peut remplir d'eau. Monsieur bouteille, M bouteille. Prendre l'objet, ouais. Elle est vide, je peux remplir d'eau. Bravo. Ce casier sans pouvoir s'ouvrir. Ouvres-tu ce casier? Ouais. Casier ouvert, poids écœurant. Il a rien en fait. Si je prends plus là, ça ne s'ouvre pas. Ah oui, d'accord. Non, là, plutôt voir tout au fond. Ouais. Dommage, c'est qu'on voit absolument rien. Ah, mince! Donc, ouais, à mon avis, c'est fait exprès pour qu'on prenne la bouteille d'eau. Donc, hop! On va la boire. Donc, je suis désolé, je peux pas faire trop de blagues et tout ça. C'est que, franchement, le jeu, là, il me scotche un peu. Et franchement, il est vraiment pas mal. Hein. On m'avait dit qu'il était bien, mais quand même... Ok, remplir bouteille, ça c'est bon, c'est fait. Ok. Ah, là, il n'y a pas une porte. Non, il n'y a rien. Ok, c'est pas les trucs cachés au cas où. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, c'est pas ça. Ah, c'est pas clair ni net tout ça. Ah, qu'est-ce que c'est? Il y a une caisse par terre. Il n'y a pas de liquide dedans. Ouais. Non. Bah là, je sais pas trop ce qu'il faut faire. Hein. Ça va être rigolo. Le tableau, y a rien. Pourtant, il y a une barre de fer, tout ça, comme ça, comme si c'était fait exprès. Mais c'est pas le cas. Ah, peut-être que... On va essayer de remonter sur ça. On peut toujours pas, hein. Ouais, ben, je sais pas du tout où il faut aller, hein. Là, il y a des gens qui font... Mais tu... C'est con, pourtant, il était juste allé là, 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 là. Ah, attendez. Je vais reboire un coup. Je vais sauvegarder. On va boire d'abord. Faut pas que je cours, en fait. C'est con, mais... Mais le fait de courir, ben, ça me vide ma fatigue. Hein. Ma barre de fatigue. Je sais pas c'est quoi comme... En fait, GP, c'est... Ce serait quoi... Ça voudrait dire quoi? Gourd point. Normalement, ce serait par là qu'il faudrait aller. Dans la logique. Voir, c'était vraiment juste pour prendre la bouteille. Oh, je suis nul. Hey! Oups. Je peux avancer là ou pas? Non. Ah ben voilà, ça y est. Bon. Bon, j'ai prévu une trentaine de minutes de vidéo, hein, je vais pas faire plus. Donc, nous allons encore jouer une dizaine de minutes. Oh là là, oh, c'est grand. Il est long le pont.
Y a rien dans les pots, on peut plus les fouiller, c'est dommage. Donc ouais, je vais plutôt marcher plutôt que courir, parce que... Ouais. Ouh là là, au moment où je cours, c'est là où il y a une séquence. Là, je vais courir, je sais pas où je vais. Mais je cours à un endroit qui a l'air plus sûr. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est rien du tout. Ok, j'ai fait, je me suis pris un truc dans la gueule. Alors, j'ai entendu une fille, je sais qu'on est accompagné au bout d'un moment, ou en tout cas, on rencontre quelqu'un. Je sais pas où elle est, par contre. Non. Je cours, mais ça devrait pas. Ou encore, j'ai une bouteille d'eau, c'est pas très grave. Ah! Je voudrais aller par terre. Voilà. Attends, si on m'explique pas. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Elle est vide. Ok, super. Un livre. On peut rien ramasser. Ah. Quelqu'un a laissé ses chaussures ici. Là, je m'imagine qu'on va pouvoir grimper grâce à ça. Il n'y a pas de moyen, tu te fous de ma gueule. Ok. Ouais. Par contre, commence à avoir soif, mon ami, là. Olé. Ouh, c'est stressant. Je sais pas tout si je dois aller là. Genre, je vais faire un petit truc quand même, je vais boire un coup. Contient 3 rations d'eau. Ok, j'ai un peu bu, je sais pas combien ça m'a donné. Pas tout. Je suis mort. Pas mal. Je suis totalement mort, je dois pas passer par là alors dans ce cas-là. On va faire continuer. Je sais pas où ça va me ramener par contre. Ça me ramène ici. Ah. Ouf. Ok. C'est peut-être pas une bonne idée ce que je fais. Alors on va essayer de courir, tant pis si je crève. Ah, y'a la fille. C'est la poignée d'un siège, putain, tout ça pour ça. Donc c'était elle. Ok. D'accord.
En fait, il faudrait la corde, je crois. Ouais, on remet là. Donc, il faut que j'aille récupérer la corde qu'il y a là-bas. Alors, on va essayer de se dépêcher. C'est pas grave si on se fatigue. Oh là. J'imagine pour avoir la corde, il ne faut pas. Il faut juste passer sur le côté comme ça. Quoi? Ah si, ouais, c'est ça. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs, on va dire, solutions, il n'y en a qu'une en fait. Mais... corde. Prendre l'objet. Yeah. Ok, en fait, il faut juste. Il faut juste en fait trouver l'équilibre avec le. Oula. Faut juste trouver l'équilibre avec avec le support. Et là par contre le jeu est quand même très enfin le personnage est un peu robotique dans le sens où voilà pour sauter il faut courir et aller sur un rebord quoi. C'est pas très ergonomique mais bon. Oh non je me suis manqué. Oh non. Ah ça c'était nul. Pourtant je sais pas pourquoi je suis passé par là, je savais très bien que c'était pas par là parce que je suis déjà passé par là. Ah il y avait un truc pour voir ici. Non mais j'ai plus besoin en fait. Ok alors est-ce que j'ai quand même récupéré la corde ou pas? Ouais c'est bon. Franchement good bad jeu. Je vais t'obliger à regarder cette vidéo. Si tu pouvais faire ce jeu en difficile pour montrer à quel point tu es très fort. En fait je me suis trompé de train. C'est celui-là. Allez, on y va, on va utiliser la corde, avec la poignée j'imagine tout simplement. Allez, on avance, il va y avoir la séquence où je tombe. La poignée d'un siège. Alors si j'utilise la corde, oui, ça marche ou pas? On va aller aider la fille. Hein, pas mal, hein. C'est très bien joué ça. Prends ma main. Bien joué ça, monsieur. C'est vraiment, il est vraiment énorme ce jeu, hein. Ça n'a de rien. Mais ça me stresse beaucoup d'être dans un monde qui se détruit sous moi, quoi. Franchement, moi, avec le poids d'une fille, à la limite, elle a l'air légère. Mais avec le poids d'une fille, remonter une corde comme ça, le mec, c'est un surhomme, quoi. À part si la séquence va passer ce passage. On va voir s'il va y avoir une petite scène où ils vont parler ensemble. Ouais. Y'a pas trop de QTE, ça c'est bien. Même si ça m'aurait pas dérangé. Are you okay? Non, pas du tout, ça va pas. Ou bien sûr, ça va, hein. C'est un peu la fin du monde, mais à part ça. Merci, comment tu t'appelles? Keitel, je suis journaliste, yeah. Tu fais un reportage? Ça va être un peu tard, non? Non, j'allais au boulot. Oh. En tout cas, merci de m'avoir sauvé. Je m'appelle Karen Morris. Tu n'es pas blessé, c'est sûr? Je suis un peu secoué. Mais ça va, je peux te secouer d'une autre manière si tu veux. Bien, je crois qu'un hélicoptère arrive du continent. Tu peux marcher? Oui, je crois. S'il te plaît, essaye de ne pas trop courir. Ah, c'est sûr que dans le jeu, il n'y a pas de tuto. Hein. Vous arrivez, tremblement de terre, démerdez-vous avec les boutons. Hein. Soit regardez manuel, qui est pas mal gros. Enfin, j'ai pas vu s'il y avait plusieurs langues. Je crois qu'il doit y avoir plusieurs langues. S'il y a besoin d'autre chose, tu... Ou alors il y a la manette dans les options au début. Je ne suis pas spécialiste en survie urbaine, mais je pense à pouvoir être utile. Conversation. Appuie sur la touche X quand tu es près de quelqu'un pour lui parler. Ah ouais, c'est bon. Bon.
Ouais, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Bon, bon, on va faire à pied puisqu'elle veut aller à pied. Hein ? Elle s'est téléportée ! Elle est invincible ! Allez ! Donc, il faut suivre le nord. Si je cours, elle dit quoi ? Elle dit rien. Bon. Par contre, ouais, ne pas courir, c'est un peu chiant quand même. Hein. Alors là, il va m'aider à monter. Voilà, je cours un petit peu pour quand même accélérer. Regarde. Je ne pourrai jamais grimper là-dessus. Je pourrais monter et essayer autre chose. Comment? Eh bien, je pensais monter sur ton dos, moi. Oui, toi. Ouais, si tu veux. Elle a enlevé ses chaussures. On en fait du monde, mais elle a pensé enlever ses chaussures pour monter sur lui. Je veux dire, c'est la fin du monde, je m'en fous que mes habits soient sales. Hein. Faut pas déconner. Pas la fin du monde, là c'est catastrophe naturelle, mais voilà quoi. D'accord, je reviens. Ouais, ben. Et là elle se barre pour toujours. Où est-elle? Franchement, tu peux pas sauter. Non, elle n'aurait pas fait ça. Non, elle va revenir. Tu as attendu longtemps? Non! Ah, une corde! Elle a noué à quoi? Est-ce qu'elle a été intelligente ou pas? Thanks for the hand. Ouais, très bien, bien, bien joué. Il n'y a pas de quoi. Ouais. Oh non! Je me demande si tout se passe bien sûr. Bah, je pense pas trop que ça se passe bien, quoi. D'accord. Ok. Bon, bah, c'est parfait. Si on finit une séquence comme ça, c'est parfait. C'est magnifique. Sauvegarder la partie, ouais. Toujours. Toujours sauvegarder une partie, toujours. Donc voilà, on va arrêter la vidéo ici. Donc pour cette soi-disant fin du monde, voilà, j'ai fait un petit playthrough, enfin plutôt une petite découverte de SOS The Final Escape. C'est vraiment pas mal. Je vais regarder rapidement pour la notice. Ouais, c'est plusieurs langues, mais elle est pas mal grosse quand même. C'est vraiment pas mal. L'ambiance est pas trop mal. Graphiquement, c'est un peu daté, mais on va dire. C'est les jeux japonais, ça, en général. Je sais pas si j'ai fait par des japonais, d'ailleurs. Mais ça y ressemblerait bien. J'ai envie de dire. Je vais éviter de dire des bêtises, alors, dans ce cas-là. Bon, en tout cas, voilà. Graphiquement, c'est pas exceptionnel. Par contre, l'ambiance est là. Et franchement, j'étais stressé sur ma manette. Vous avez pu l'entendre, que j'ai pas pu trop parler. J'ai pas pu faire trop de blagues. Donc, voilà, la petite vidéo... découverte. Donc, goodbye, jeu. Je répète, fais un walkthrough de ce jeu, toi qui le connais, qui l'adore si bien. Je serai là pour t'encourager, pour regarder tes vidéos. Surtout que c'est... Je pense quand même que ce jeu... je vais peut-être y rejouer un jour, hein, pour continuer. Bref. Voilà, j'espère que cela vous aura plu. Hein. Comme d'habitude, n'hésitez pas à passer sur amatest.com, amatest.xoid.fr. Puis je vous fais des gros bisous, voilà, comme d'habitude. Salut tout le monde!